Oh là 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 là. La première fois que je vois ça, le système électronique d'une porte qui se bloque, c'est la première fois que je vois ça. Ça va mieux ? Les bagages sont enregistrés, hein. Si on n'y va pas tout de suite, ils vont partir sans nous. J'ai la tête qui tourne un peu. Le système électronique d'une porte qui se bloque. Oui, mais on va le louper, hein ? J'ai jamais vu ça. Allez, venez, vite ! Merde ! Quoi ? Ma mallette, je l'ai oubliée à l'infirmerie, j'ai tous mes papiers dedans. C'est pas la peine ! Vous fatiguez pas, c'est foutu, on l'a loupé. Une seconde. Départ à destination de Hambourg, Anchorage et Tokyo. Vol Air France 272. Embarquement immédiat, porte numéro 45. Departure. Ça y est, c'est arrangé. Anchorage and Tokyo. Air France flight numéro 272. Et voilà. Bon, je vais chercher ma mallette, on a tout notre temps maintenant. Vous n'avez pas fait le coup de l'alerte à la bombe, tout de même. On n'a pas raté l'avion, c'est essentiel, non? Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait, c'est dégueulasse. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, Campana. J'ai dit à Monsieur Benz qu'on partira aujourd'hui, on partira aujourd'hui. Vous apprendrez à me connaître, Campana. Quand je suis lancé, c'est difficile de m'arrêter. Monsieur Perrin, veuillez nous suivre, Monsieur Perrin. C'est bien votre valise, monsieur Perrin. Oui. Nous sommes navrés, c'est un accident de contrôle. Comment? Bah oui, il y a un con qui nous a fait le coup de l'alerte à la bombe. Il n'y avait pas de bombe, mais votre bagage a un peu souffert des manipulations de déminage, monsieur Perrin. Alors vous allez faire un état des objets que vous transportiez pour être indemnisé. Vous l'avez enregistré, c'est pas la peine, elle peut passer comme bagage en main maintenant. Chut.